dire ce que Chic a contre Pichu, mais c'est plus rapide de partir dans le sens inverse. Ouais. Bah Pichu a un air. Hein. Il est mignon. Ouais, effectivement. Quand il crouch, il dort. C'est vrai. C'est... Voilà. Voilà. Et... Voilà, est-ce qu'on est directement parti dans le set? Exactement. C'est un set qui va énormément reposer sur les grabs du côté de la Chic, puisqu'elle a un chaîne grab honteux. 90%. Est-ce que c'est comme celui de Pikachu ou pas? Je crois que c'est pire. Ok, alors c'est pire qu'honteux. Parce que si je me souviens bien, je suis avec deux frames dans le lien. C'est pas l'action à vie. Oui, non, mais après on rigole. Pichu Knight, hein, le Lothiar Hero. Je crois le problème principal, comparé à Pikachu, c'est que sur les plateformes de Token Stadium, Pikachu tombe sur la plateforme. Pichu ne le fait pas. Ah oui, parce que son OP est trop court. C'est ça? Non, juste parce qu'il est plus petit. Ah oui, quand tu te fais Shen Grab à l'infini. Ouais, quand tu te fais Shen Grab. Ah, c'est dur. Le Shen Grab Pikachu se finit à 40. Ah bon? Ah bon? Ah ouais? Ok. Et là, Pichu Knight qui vous fait mentir parce que la première stock est prise par... le champion du Discord LFM. Peut-être qu'on tombera sur les moins 20% du match. Ou Pichu gagne. Peut-être, hein. C'est peut-être. Pas impossible. Un joueur surprenant, hein, Pichu Knight. Parce que, il prend des noms, hein. Il prend des têtes. Ok. On a le juggle ici avec les uppers. Le neutrality qui ne connecte pas. Ok. La roll out qui est call-out par grave, hein. La grab. Exactement. Très bonne read. Ah. Dommage, il aurait pu continuer à chaîne grab ici. Le buff! Le forward air. Le fer qui est trouvé et ça tue! Le lead qui est pris ici par Bono! Surtout quand un personnage comme Pichu, c'est. Plus de jump! Mais quel mash! Mais quel mash de notre Albi! Est-ce que sa touche marche bien? Je crois que oui! Et donc, ouais, une autre arme très forte côté Chic, bah ça va être évidemment le Crash Cancel, hein, qui détruit Pichu sur toute chaîne d'attaque. Bah oui! Mais j'ai l'impression de pas le voir beaucoup sur cette game. Mais le Crash Cancel est bon aussi contre Chic, hein, mais effectivement. Moins dévastateur. En tout cas, c'est triste à dire, mais vous pouvez être content, mais il y a plus de hype dans la venue pour ce match-up que pour la finale Lunarip Silo. C'est vraiment. C'est vraiment la finale qu'on ne voulait pas, mais qu'on mérite, je pense. Smash. Ça, c'est la finale de la bonne humeur. La finale qui montre qu'on est dans une weekly. Chill. Ok, Pichu Knight won 3-1 in winners. Ok. Ok. So, yeah, il lose this time. Est-ce qu'on va kick-out sous le ledge? Non, Bono qui pêche dans ses edgeguards ici. Stratégie de Mars. Pour un smash au ledge. C'est vrai que... Wrong character. Ok, là, il y a énormément de pourcentage. Ça va jouer au ping-pong si on trouve pas le kill move. Un back air, un fer, n'importe rien. N'importe quoi. Comment ce VF smash est trouvé? Sur le table. Bono qui arrive pas à trouver ce coup qui pourrait le délivrer. C'est vrai, c'est vrai. 49% pour un Pichu, c'est beaucoup. C'est monstrueux même. Les ghetto attaques. Et il est pas prêt de mourir, regardez ça. Il catch avec ce F-Smash. Le meurt, le spam, oh là là. Mais c'est imparable. Oh le jump. Et il style, et il revient. Mais c'est un madman. Et il se fait punir. Don't you dare style on me. Ok. Oh, ce catch, plus de sang. Et la game 1 qui est prise par Pichu Knight. Insane. This is amateur, non. Yes. Il n'y a pas FD sur l'écran, mais... Ah, ça pourrait être... FD, vous pouvez jouer sur FD, hein. Bon, okay. Ils s'en foutent. Bah, ah oui, mais de toute façon, la plateforme est trop haute. Je veux bien, c'est FD. Exactement. Incroyable. Le chat n'en peut plus. Je suis mort, vraiment, c'est la meilleure idée de faire cet stream. Ok, on part sur Battlefield. Les approches totalement audacieuses de Pichu Knight qui arrive avec des up smash. Mais il va découvrir, est-ce que Pichu est finalement un low tier qui est en réalité un high tier, voire un top tier? Nouvelle tech, exactement, Nago.
Lunaris, no longer my best friend. I'm a Pichu fine now. Vraiment, ça change la pression ici au ledge. Oh non. La Pichu Night Pressure, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Et puis Junai qui space très très bien ses coups hein, parce qu'il se fait très peu grave. Bono qui lui. Crouch cancel. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de nerfs qui passent entre guillemets à YOLO. Même genre les Ubi Smash nerfs, j'en sais rien. Excellent Gimp ici. Et puis Junai qui monte les pourcentages, qui meurt, qui montre qu'il n'a peur de rien. C'est Snetsubaker. Il n'y a pas de lag sur Ubi ou si tu touches pas le sol avec le Ubi. Oh là là, on en apprend tous les jours. Et du coup, bah si le neutral B pour Gimp était vraiment big brain. Ouh. Comment ça, ça tue ça? C'est une option viable? Il invente des mécaniques au fur et à mesure que le jeu se passe. Est-ce que finalement le match-up n'est pas 20-80 pour Pichu? Ah bah là, je me demande. Ok, on a ces approches très agressives de Pichu Knight qui ne sont toujours pas punies. Oh. Who is this man? He's Pichu Knight and you can meet him at the Salty Arena at Lille. Pichu Knight, c'est possiblement le délivreur de Pichu. Le Hamsa de Yoshi. Peut-être que l'ISO. On va vérifier l'ISO après quand même. Hein. Ouais. C'est louche tout ça. Hein. Le smash. Oh, dommage ici. Pichu qui a une grosse tête mais pas un assez gros corps. Regarde-moi ce spacing, c'est pas fait grab. Et même si. Il ne revient pas! Dommage! C'est très bien joué! Même si Pichu Knight sort toutes ses trump cards incroyables. Ah oui, exactement! C'est totalement even. Totalement! Ok. Le père qui était trouvé. Ça juggle. Et on termine par un Fatal Foudre. Un combo qui a duré 20 minutes et qui a mis 35%. On est un peu déçu. Grave. Ah, c'est possible dans la game? Ah, le combo qui est droppé. Je pense que Bono ne croit pas assez en ses chain grab. Ouais, le smash qui est voulu. Mais Pichu qui peut juste nerf avant. Le fer qui était une bonne idée mais qui n'a pas touché. Le back air pour remettre en edge guard, exactement. Oh. Trop de patience ici, on s'est endormi en volant du côté de Pichu Knight qui se prend une baffe. La breakdance qui n'edge guard pas. Et voilà, le fer. Première game prise par Bono, un partout. Wouh! Et j'espère qu'il n'y aura pas de reset, hein. Je sais pas si je vais tenir moi. FD est up, je rappelle, FD est up. Y a FD. Faites B. Allez dans Stage Select, la Foreman Survival Test. Non mais pour après, on sait jamais. C'est moi qui décide! Random Stage et FD. Tout en bas, en bas à droite. En bas à droite. Ah et oui, la preuve que les smashers ne savent pas lire, évidemment. Ah. Bah oui. J'ai dû apprendre pour... Mais moi j'ai fait des études de lettres, j'ai cette excuse là. Ok, on part sur Yoshi Story. On commence avec le Shuggle. Ah, incroyable ce Shuggle, ce 3 hit combo. Qui fait 14%, c'est triste. Et Pichu Knight qui s'est mis plus de dégâts qu'il n'en a infligé, je pense. Ok, c'est F Smash qui touche très souvent. Oh, okay. Très très étonnant. Ouais. Et le Smash qui a. Genre, surtout, ça commence à taper très fort, très tôt. Ouais. Mais plus 4%, ça monte pas beaucoup. Ouais. Mais tu peux pas le SDI sur à chaque fois, il le catch. D'ailleurs, last hit de F Smash, trop fort. Ouais. Et il les chope très très souvent. Hein, parce qu'il a le bon timing pour caser ses F Smash. Et c'est très drôle parce que c'est un peu les techniques un peu cachées, un peu comme Mewtwo qui se TP un petit peu partout et ça peut vraiment surprendre. Et là, Pichu Knight l'utilise un peu de la même manière et qui montre que la recovery de Pichu est l'une des meilleures du jeu, étonnamment. Ou du moins, ses options de mouvement sont insane. Ah oui, vraiment. Et là, ça devrait être le kill peut-être. Non ! Ça tue pas, Pichu ? Pichu plus lourd que ce qu'on faisait ? Chic ne tue pas, hein. Oh. New patch just drop, Chic ne tue pas. Ah, c'est teammate. Le pas. Le bi qui tue. Waouh. Surtout qu'il t'a remarqué que le père de Pichu fait autant de dégâts que le laser de Fox. Ah, c'est triste. C'est triste.
Ok. Non, bonne patience de la part de Pichu. Oh, Pichu il est deck. Ok, la dash attaque qui ne mène à rien. Les, on récupère le Stone Touch Stage très facilement. Je sens que Bono a tendance à beaucoup jouer sur les smash. Ouais. Mais Pichu Light possiblement un peu aussi, mais il a plus de succès à toucher. Exactement, et il gagnerait à faire plus de petits de F-Tilt. Pardon. Très bon catch de l'up smash ici. Ok, il spam les backers. Okay. Il récupère le stage, okay. Cette fois-ci, la douille n'est pas passée. Pas grave. Ok, potentiellement le stock, oui. Ok. Le strong backer qui est trouvé. Puis tu l'as toujours devant. Ok. Oh. Ah, c'est un manu vers le bas peut-être. Ok, le Fatal Foot qui est trouvé, on commence le juggle, on monte à des pourcentages incroyables, 22% trouvé sur ce combo. Le meilleur combo de Pichu. Les upper, toujours trouvé. Non, très beau wall jump. Le fer qui catch. Ah, il aime bien ses wall jump, hein, Pichu Knight. Ah bah sans ce wall jump, ça aurait été très compliqué de recover, parce que faire deux fois dans la même direction avec Pichu, c'est un enfer. Ouais. Hein. Serait grave, bien vu. La Tabaton de Success qui est droppé. La bonne patience de la part de Bono. Ok, le Shagai qui prend tarif au passage. Okay. Ah, le flash un peu tôt. Bon nerf pour revenir sur le terrain. La brain dunk sur Randall, c'est stylé, mais ça ne sert à rien. Oh. Et Bono qui devait s'en aller vers d'autres aventures, visiblement loin de Yoshi Stories. Être belge est optionnel, être Pichu Knight fan est éternel, nous dit Frodo. Totalement, ouais. Heavy time, exactement. Heavy time. Oh. On pourra voir si le game plan de Bono est effectif, avec cette chaîne grave qui peuvent théoriquement aller jusqu'à très tard, hein. Notamment si t'as pas des réactions frame parfaites. Exactement. Et il peut aussi, parce que le chain grab peut aller loin, mais il peut l'extend avec des tilts. Bien joué ça. Il l'a maintenu en respect avec des backers. C'est un bon plan de jeu, hein, pour Bono. Profiter de la range monstrueuse de Chic dans le match-up. Pichu le tiers. Ouais, bon... ouais, bon SDI hein, sur le F-Smash. Et yes, ça arrive. Top tier privilège, hein. Bien sûr. Oui, oui, bah, bien sûr. Si tu te le dis en tant que le tiers, c'est... à cause du personnage de l'autre, Le smash qui ne tue pas encore. Le smash de Pichu qui est bon, hein, qui est quand même très très bon. Oui, 100%, c'est très effrayant même. Hein. Sachant qu'il est petit en plus, donc il peut se glisser en dessous assez facilement. Ok, Zelda, on sort la Zelda. Oh. Et du coup, il revient avec Zelda. Est-ce que son adversaire va lui laisser revenir avec Chic? Ok. Gentleman. Vraiment. Ah, le grab qui va passer. Ah, le grab. Ok, on commence le chain grab. Le troisième, ok. On a déjà fait beaucoup plus de dégâts qu'avec un combo de Pichu. 76, c'est énorme. Les needles qui cassent l'électricité. Oh, le low profile un peu de Pichu Knight qui est terrible. Il fait dodo, il se prend une mandale. Et le up smash qui est trouvé. Comme quoi, let's go. C'est même que Sweet Puff. Ah ouais, parce qu'il me semble qu'il tue super tôt quand même. Mais ok, c'est Ah, celui de Puff est bon en vrai. Bah, c'est juste que Puff a les meilleures options. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est un vrai perso quoi. Alors, même si Pichu Knight nous fait mentir. Grave. Ah, ok. Le No Smash qui est deck. Ok, la dash attack. Oh. Double dash attack, situation de garde, y'a plus de ledge. Y'a plus de ledge, pardon, y'a plus de jump. Ah, Bono qui s'est bien adapté, je trouve. Hein. C'était ouais, vraiment son terrain. J'ai l'impression qu'il se retrouve souvent bloqué au ledge dans cette situation-là, par exemple. Mais il doit choisir, même si il arrive à bien reverse presque. Ouais. Même si on peut dire que c'est du neutral presque à ce moment-là. Oh, ça touche. Pas loin du kill. La bonne air dodge ici pour échapper à la baffe. Ça le touche, Thunder Jolt qui était parfaitement bien placé. La non. Oh, Pichu qui se fait punir pour ça. Ok, on regrab. L'Obstro, pourquoi pas. Original. Et on cherche le kill move des deux côtés. C'est très tendu. Oh, on se respecte énormément. La back throw. La dash attack Kitty.
3 stocks, 2 stocks okay, d'avance. Ok, le public qui donne déjà Pichu Knight perdant sur cette game, visiblement. Les fans qui ne croient pas en leur héros. Ah là là. On change déjà de camp. Hyper, ça... ça retourne ses ass. Hiroyama qui nous dit Bono, c'est pas le moment de faire des techs de 2067, faut dance row comme tout le monde. Et c'est assez vrai. Ok. Pichu qui se fait reverse sans combo. Le 2 smash bien, très bien trouvé. Edge guard. Non, le fantôme sur la dash attack. Oh, il s'est échappé. Oh, l'apex de son upi. Pichu Knight qui peut revenir sur cette game et terminer le winner, l'amateur bracket ici et maintenant. Où est-ce que Bono va prendre le trophée de l'amateur bracket à la maison? Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Et il se fait punir. Et la taunte. Et la taunte, Bono qui envoie un message. Ça peut tout jouer. Il y a encore quoi de terrain comme dispo Ça a gagné... Ça a gagné sur quoi? Sur Pokémon, non? Possible. Sur... Je sais pas ce qui se passe dans cette. Bah, il faut dire qu'il a pas été joué, donc je... Ah. Il faut dire t'as gagné. Ouais. Je crois que le start a pas été désactivé. Ah ok. Ah bah ok. Ah comme quoi. Le joueur de Pichu ça a un prix. Est-ce qu'on va être en 20 chouchou? 20 chouchou ou alors 20 toutou? Is Pichu a secret top tier? Or is Pichu just Pichu? Je pense que si t'as pas un gameplay qui est construit pour genre tenir ce que n'a pas Pichu, Pichu c'est un bon personnage en vrai. Tu penses? Bah, moi j'ai l'impression que t'as juste à faire bas et t'as gagné quoi. Oui bah c'est ça, mais si t'as pas le bas. Ah, si ton stick analogue ne marche pas bien. T'as pas le game plan qui est fait pour le contrer. Ouais. À partir à ce moment là, Pichu c'est vraiment un truc qui saute sur ton bouclier. Je sais pas quoi faire. Peut-être ouais. Chic le tir théorie. Bah là, j'ai une grave. Oh très bien vu. Ouais, la bonne passion de Pichu Knight, la Zelda qui est sortie et le Ledge Hog qui est trouvé. Est-ce qu'on va laisser nouveau, gentleman? Yes. Ouais. Et Pichu c'est tellement un gentleman qui se met lui-même des pourcentages. Qui peut être une strat très avancée hein, pour éviter les kills combo à partir d'un dance. Oh ok, ça a trade et du coup on a eu que un. Le grab? Oh, pas de grab. Okay. Non, mais même à 1000%, tu peux tuer à partir d'un dance, c'est scandaleux. Oui. Ok, on essaye de d'edge guard dans le futur et on trouve un fer ici pour égaliser les stocks. 39 sur Dreamland, bonne read de la part de Pichu, mais il ne touche pas avec son smash ici. Est-ce que les needles passent au-dessus? Je pense pas. En vrai, il va pas être simple à toucher un Pichu avec les needles. Parce que je me dis que genre, needle ça fait combien? Je sais pas, mais ça fait tellement que. Tu as énormément joué sur ce match-up où tu meurs très tôt. Très belle recovery. Le smash qui touche très très loin. Et ça touche, mais pas la bonne box. Et le F-Smash qui catch à l'edge comme ça. Je sais pas pourquoi je fais cet accès. Mais il catch à l'edge et il l'a tellement. Je dirais que contractuellement, Bono est obligé de se prendre ce F-Smash. Ouais, les edge guards des deux côtés sont très propres. Hein. Ils sont un peu originaux, mais ouais. Ils marchent très bien. C'est, on peut dire, c'est innovant. Oui. Ah bah, pour innover Pichu... Allez Bono, on veut un deuxième set. Le smash. Le smash qui tue. Allez Bono. Le tiers héros, c'est Bono ici. Ok. Ok, il arrive à échapper à la plateforme, la tech chest, pardon. Le grab, qui peut être huge. Rendal, Wispy qui aide Pichu Knight à sortir. Regardez Pichu qui pleure quand on le tape. N'a-t-il pas honte? C'est vrai que Pichu a beaucoup d'émotions pendant qu'il joue. Ouais, c'est comme mon doudou. Ouais. Tu t'en veux presque de les taper. Et c'est beaucoup de rôle hein. C'est peut-être le détail qui fait changer de Pichu à l'autier à top tier. Hein.
Bonne patience ici de Bono qui attend que la foudre passe. Dash attaque qui ne connecte pas malheureusement. Et chose rare mais notable, Bono a fait des tilts. Il sait les faire, il n'a pas perdu la touche. Oh, ça a peut-être read, presque read. Hein. Le smash qui était le deuxième smash qui n'est pas passé. On peut avoir shield. Que... Ça, c'est très neutral là le match. Hein. Ouais, Bono a du mal sur le neutral mais très à l'aise sur le punish. Oh, oh non. Lunari qui n'est pas pour Pichu Knight visiblement. Ça tue. Ok, last peut-être la dernière stock de ce tournoi pour de vrai cette fois-ci. Ou alors on aura un bracket reset. La première ouverture qui est trouvée, le chain grab qui est droppé ici. Pichu Knight qui chope le grab, Axtro, tentative d'edge guard, non. Le beau F tilt. Le juggle, le combo incroyable, on monte tellement les pourcentages ici. La gate up attaque qui fait autant de dégâts. Le nerf qui est trouvé, il se met tout seul en stage. Le down smash qui touche pas. Toujours pas la ride. Hein. Oh la ride ici sur la hall. Ça peut être huge. Non, okay. Il a choisi la side plateforme, bien joué de la part de Bono. C'est encore possible mon gars, tu l'as déjà battu, il peut saigner. La ride oui, qui la grave. Bon, n'est pas au bon endroit. Le bail tilt, 69%, plus 69%. Ok, ça peut être la game ici. Il peut encore revenir. Il a le sub, il fait catch, plus de jump ici, il touche le sol. Oh, oh là là, c'est très dit. Le persiche pas. Ils sont tous les deux, ils se battent dans le corner, c'est très très dangereux. Le backer qui va peut-être clore la game. Non, drop ledge guard. Non, il oublie d'appuyer sur les boutons, ça maintenant ne marche plus. Oh la merde, la DBZ. Et qui va gagner? Et c'est Pichu Knight. Pichu Knight qui devient le vainqueur de l'amateur bracket. Ça s'appelle la poubelle d'or. Bravo. Pichu Knight qui gagne la poubelle d'or, nous dit notre cher président et régisseur. Quel set hype peut-être. Le set le plus hype de la Salty Arena aujourd'hui. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Pichu qui est finalement peut-être extrêmement hype. Hein. Ouais.